Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga 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 Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhuta. Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Thank you.
Namaskaram à tous, où que vous soyez. Eh bien, la situation autour du monde continue à évoluer. Les États-Unis dépassent les 45 000 morts. Et plus de 4 nations dépassent les 20 000 morts. Eh bien, un petit jeu de bascule à certains endroits. Les chiffres ont un peu baissé, puis remontent à nouveau. Comme je l'ai dit plus tôt, on ne fait que contrôler le comportement humain. Nous n'avons trouvé aucune façon de maîtriser le virus. Il déploie toutes sortes de nouvelles capacités et différents niveaux de compétences et différents types de dégâts qu'il peut causer. Ce qui était principalement perçu comme un problème respiratoire s'est maintenant propagé à d'autres zones. Une des grandes inquiétudes, c'est que une chose, c'est qu'il attaque à coup sûr le système immunitaire. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il touche aussi le système neurologique et cause un certain niveau de dommages au cerveau. Ceux qui sont déjà endommagés auront peut-être un peu de marge, mais c'est une grave inquiétude, car beaucoup, ou quelques-uns au moins, des patients infectés par le virus font des crises d'épilepsie et souffrent de perte de mémoire. Et bien sûr, tout le monde a entendu parler des pertes d'odorat. C'est la première chose et c'est un signe neurologique. Et ça cause toutes sortes de dégâts et les scientifiques, personne n'est très sûr, mais ils estiment que ça pourrait aussi causer des dommages permanents au système neurologique. Ou en d'autres termes, essentiellement, ça devient plus complexe que ce qu'on pensait. On pensait que c'était juste un problème respiratoire, qu'il suffit de gérer nos poumons et tout ira bien. En même temps, le point positif, c'est que plus de 80% des gens infectés par le virus ne présentent aucun signe, aucun symptôme, et traversent ça sans bruit. Ce qui est un avantage et aussi un gros désavantage, car ces personnes infectées sans bruit, ces patients asymptomatiques, le transmettent à tout le monde, partout, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont porteurs. Donc au final, le coût économique gigantesque pour tester les 7,6 milliards de personnes, cette tâche onéreuse est ce vers quoi le virus nous pousse, car 80% des personnes infectées ne présentent aucun signe, donc il nous faudra isoler des gens qui n'ont pas de symptômes. Nous devrons soigner des personnes qui n'ont aucun symptôme, ce qui va être très dur. Et dans l'état actuel des choses dans le monde, et en Inde aussi, un certain niveau d'agitation sociale se développe chez les gens, trop longtemps enfermés chez eux, inquiets au sujet du bien-être économique, les entreprises étant fermées. Les gens, pas seulement les travailleurs journaliers, même les salariés mensuels, perdent leur avantage économique, ou bien leur épargne et autres s'épuisent, et les gens ont peur en voyant que plus de 50% de la force de travail mondiale pourrait être au chômage pendant un an ou deux. Ceux qui sont dans divers secteurs en ce moment, je crois que le secteur informatique a déjà commencé à délester, c'est-à-dire qu'ils tentent de se défaire de leurs employés parce qu'ils pensent
qu'au cours des 3 à 4 prochains trimestres, il n'y aura pas de demande et ils ne peuvent pas les garder. L'industrie du vêtement, ils pensent que 80% des employés pourraient disparaître pendant un an ou deux, parce que la mode et les vêtements ne seront plus à la mode pour un certain temps. Ce qui, j'entends les guerriers écolos dire « c'est ça, c'est très bien, les gens peuvent vivre avec moins de vêtements », tout cela est très vrai, mais ce n'est pas le moment de dire ça, je l'ai dit par le passé. Mais maintenant, quand les gens perdent leurs emplois de façon massive, ce n'est pas le moment de célébrer ces gains. Ces gains doivent avoir lieu de manière planifiée, pas de façon si cruelle. Donc, les défis se multiplient, mais les nations perdent patience. Les nations perdent leur détermination de tenir les confinements. Il y a beaucoup de débats partout pour savoir si ce confinement est vraiment nécessaire ou sortons et faisons ce qu'on a à faire, voyons ce que le virus a à faire. Ce genre de bravades ont lieu. Mais en même temps, je crois, plus d'un quart de million de victimes, c'est ça? Près de 200 000 personnes ont perdu la vie. Ce n'est pas un chiffre qu'on peut ignorer. Donc, c'est un vrai défi, la façon de gérer cela. Chacun d'entre nous doit trouver des façons de se réinventer notre activité, comment on fait les choses dans le monde, comment on vit dans ce monde. On ne peut pas simplement continuer à vivre comme on l'a fait, beaucoup de changements doivent avoir lieu. Le gouvernement de l'Union indienne a fait passer un décret si vous attaquez ou menacez un soignant, un médecin ou une infirmière, ou toute personne qui lutte pour contenir les infections, une nouvelle loi où vous pouvez être arrêté sans libération, sous caution, vous pouvez passer 5 à 7 ans en prison, un tas de lois sévères, parce que ce type d'attaques sont en hausse. Certaines personnes croient que le virus ne les touchera pas et elles attaquent le personnel médical qui vont les tester ou les soigner. Ils ne veulent pas être testés car ils ont peur d'être emmenés de force à l'hôpital ou mis en quarantaine. Donc, beaucoup de problèmes sociaux apparaissent. Et de toute évidence, dans un tel cas, juste imposer confinement sur confinement va devenir difficile. Assouplir le confinement, on ne sait pas où ça nous mènera. Mais on en est là. Si l'on ne prête pas attention à tous les côtés, on doit prêter une grande attention au virus. On doit prêter attention à ceux qui disent qu'ils pourraient tuer l'humanité. On doit prêter attention à ceux qui disent « rien n'arrivera, on peut sortir et faire ce qu'on veut, mettons l'économie en marche ». Et aux 1000 autres nuances des gens entre les deux, c'est important de tous les écouter. Pour prendre une décision raisonnablement juste. Je ne pense pas que quiconque puisse prendre une décision parfaite, car personne ne comprend pleinement ce que le virus peut faire et comment il peut traverser une société humaine. Au moins, pour une décision raisonnablement juste, on doit tout écouter. Mais il y a plein de... Vous savez, vous avez entendu parler des tribunaux kangourous, des tribunaux bidons. Même si le kangourou s'est cantonné à l'Australie, les tribunaux kangourous ne sont pas restés en Australie. Ils se sont répandus à travers le monde. C'est-à-dire que
Vous savez, ils sautent juste sur un jugement. Cela s'est passé. À une époque, Shankaran Pillai devient juge au tribunal du coin. Il n'a pas toujours été de l'autre côté. Et il prononce un nombre record de jugements. Alors ils veulent lui remettre un prix, parce que il traite un nombre record d'affaires. Alors le comité du prix lui demande, « Comment faites-vous ? Vous prononcez un nombre record de jugements. » Il répond, « Je n'écoute que le plaignant. » Ils disent quoi ? Vous n'écoutez pas l'accusé ? Non, si j'entends les deux, ça me trouble, j'écoute juste. Il y a un tas de gens comme ça. Ils veulent n'écouter qu'une seule chose et prendre une décision. Voyons si ça marche. Non, trop de vies sont en jeu. On ne peut pas prendre une décision comme ça. Il ne s'agit pas que de vous, parce que ça concerne les vies de tous. Je pense que nous devons écouter toutes les informations disponibles et essayer d'en arriver à une décision raisonnablement correcte dans chaque nation. Ce qui se passe en Inde, c'est que le nombre de victimes est très bas comparé au nombre de gens infectés. Et la récupération est aussi très bonne. Les gens récupèrent plus vite avec des soins médicaux. Alors, est-ce que cela provoque des lésions? Quel est l'impact à long terme? Ces choses peuvent être évaluées plus tard. Mais vous les avez remis sur pied. C'est important. Donc, c'est bon signe. On est peut-être un peu plus résistant et résilient en ce sens. Mais le nombre de décès aux États-Unis est très préoccupant. Comment se fait-il qu'il y ait autant de victimes alors que les soins médicaux sont dispensés rapidement et que la meilleure attention médicale est disponible pour la plupart des gens? Pourquoi le taux de mortalité est-il si élevé? De nombreuses explications. Certains disent qu'une chose, c'est qu'il y a une importante proportion de personnes âgées. Mais ce n'est pas entièrement vrai, parce que quand vous regardez les tranches d'âge des personnes qui meurent, tout un tas de gens entre 40 et 60 ans meurent. En dessous de 40 ans, il y a aussi un certain nombre, mais en moindre proportion. Une autre explication, c'est que trop d'entre eux sont addicts à quelque chose. Ceux qui ont des addictions, leur système immunitaire est toujours très faible, et ça pourrait être la raison. C'est très possible, parce que c'est considéré comme très normal d'être addict à quelque chose. C'est juste que je suis addict à quelque chose d'un peu moins dur que toi, donc je vais mieux que toi. Ce genre de positionnement. Cela pourrait faire des ravages, mais c'est quelque chose qui doit être étudié comme il faut scientifiquement. Une vraie étude doit être menée. Pourquoi dans un pays, le nombre de décès est si lourd, là où il y a un maximum de structures médicales et des réponses médicales extrêmement rapides? Malgré cela, pourquoi y a-t-il tant de gens qui meurent? C'est quelque chose qui doit être examiné. Ça pourrait à coup sûr nous permettre de mieux comprendre comment ce virus fonctionne et agit sur nous. Ils sont aussi en train de catégoriser trois variétés du même virus, A, B, C. Pour le moment, je suis sûr qu'ils vont leur trouver des noms exotiques sous peu. Donc il y a la variété A, la variété B, la variété C. Donc est-ce la variété du virus qui fait la différence, ou est-ce l'état, le statut physique et la santé des individus qui font la différence? C'est quelque chose que nous devons comprendre, ce qui nous permettra de mieux comprendre comment nous gérer. Qui devrait sortir, qui ne devrait pas sortir, nous devrions être capables de le déterminer. Qui sera vulnérable, qui ne sera pas vulnérable, je pense que cette décision et cette compréhension sont très importantes. Et il y a aussi tout ce chômage que ça va causer.
nous devons définitivement regarder comment le réduire au minimum. Et tout le monde devrait apprendre à travailler avec... Nous vivons largement de citrouilles, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce qui m'arrive. J'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, comment réduire notre style de vie pour que chacun puisse avoir un certain emploi? Réduire les salaires pour qu'au lieu de virer tout un tas d'employés, chacun passe à 50% de son salaire et tout le monde peut avoir un emploi. Et rediriger cette... toutes ces ressources humaines vers d'autres aspects de beaucoup de domaines qui sont négligés, des aspects écologiques, des aspects politiques, divers aspects de gouvernance et diverses choses dans le monde qui n'ont pas été faites. Maintenant, quand les marchés sont à l'arrêt, quand les autres activités sont à l'arrêt, je pense que c'est le moment de s'en occuper. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que réorganiser les gens, les réorienter, les former et leur faire prendre une activité ne va pas être chose facile. Mais nous devons faire les choses difficiles autrement. Ça pourrait finir par être trop cruel pour un tas de gens que le virus n'a même pas touché. Cette question est de Shashank. Namaskaram Sadhguru. Vous avez dit que selon notre degré de compulsion et en fonction de notre karma, nous attirons certaines situations. Notre vie s'adapte en conséquence. Mais pour un être éveillé qui n'a pas de karma, qu'est-ce qui détermine la nature des situations dans lesquelles il ou elle se trouve ou la façon dont la vie se déroule? Nous vous avons vu faire face aux situations les plus exigeantes. Quelle est la mécanique derrière cela? La question devrait être à propos de vous. Donc, quiconque vous a dit qu'un être éveillé n'a pas de karma, un être éveillé a un immense karma, beaucoup, beaucoup plus que les autres. Oui. Parce que sans karma, si vous êtes à un certain niveau d'énergie, sans un certain poids de karma, vous ne pouvez pas rester ancré. C'est pourquoi 90% du temps, l'éveil et quitter le corps ont lieu en même temps. Parce que si vous ne vous ancrez pas consciemment avec un poids substantiel de karma, alors, vous ne pouvez pas coller au corps. La première chose à comprendre, c'est que le karma n'est pas quelque chose de négatif, des ordures. Ce n'est qu'à cause du karma que vous êtes qui vous êtes. Quand on dit karma, on parle de couches et de couches de mémoire qui font de vous ce que vous êtes. Il y a une mémoire évolutive qui fait de vous un être humain. Supposez que votre corps perde sa mémoire évolutive. Eh bien, vous pourriez commencer à ramper. Parce que vous êtes un être humain, non pas du fait d'un savoir, mais du fait d'une énorme somme de mémoire évolutive investie dans chaque cellule de votre corps, qui vous rend humain. Vous avez vu, quand nous faisons certains programmes qui sont connectés pour pénétrer ou mettre nos doigts dans des couches profondes de karma comme Samyama, certains commencent à ramper, certains font d'autres choses. C'est simplement parce que nous enfonçons certaines choses profondément à l'intérieur. Ça touche leur karma évolutif et des choses ont lieu. Eh bien, il y a une énorme quantité de karma, à commencer par le karma évolutif, ou même avant. Il y a le karma élémentaire, on ne va pas l'aborder, c'est trop complexe. Mais vous comprenez le karma évolutif. Disons que, voyez en ce moment, les grenouilles sont heureuses ce soir, quelle qu'en soit la raison.
Elles font croire. Je ne sais pas qui a fait le lien entre embrasser la grenouille et la transformer en être humain. Toutes ces choses, mais disons que vous perdez votre karma évolutif et qu'au niveau d'une vie amphibienne, au niveau d'une grenouille, vous vous arrêtez. La mémoire que vous aviez après ça a disparu. Tout à coup, vous êtes peut-être une princesse, mais vous allez vous transformer en grenouille. Oui. Parce que c'est cette mémoire si présente dans chaque cellule de votre corps qui vous donne une forme humaine et le sentiment d'être un être humain. Donc, qui vous êtes? Essentiellement, votre forme n'est que karma, parce que c'est de la mémoire. De même, il y a bien des niveaux comme ça, je ne vais pas tout aborder. Maintenant, il y a un karma génétique qui fait que vous avez un certain type de nez, un certain type de peau, certains aspects comportementaux, certaines capacités et incapacités, c'est le karma génétique. Après ça, il y a vos propres choses, intelligibles, inintelligibles, et puis maintenant le karma conscient. Maintenant, le karma n'est pas une chose négative, si vous savez comment l'utiliser. Mais si vous ne devenez pas suffisamment conscient pour l'utiliser, alors il fonctionne comme un logiciel. Disons qu'il y a un logiciel sur l'ordinateur que vous utilisez, ou le téléphone que vous utilisez. Je crois qu'il n'y a plus d'ordinateur. Seuls quelques-uns semblent utiliser un ordinateur, tout le monde est juste... Donc, le téléphone est un ordinateur, quelque part. Donc, quel que soit le logiciel installé, quel que soit votre travail, disons que toutes les 11 secondes, je ne choisis pas ce nombre au hasard, toutes les 11 secondes, ça va faire boum, boum, boum. Toutes les 11 secondes, ça fait boum, boum, boum. Croyez-moi, au bout de quelques mois, vous-même allez commencer toutes les 11 secondes à faire boum, boum, boum. Oui, vous le ferez. Le logiciel n'est que dans le téléphone. Mais s'il fait ça sans cesse chaque jour, voyez en ce moment, le chant est dans tout l'ashram, certains d'entre vous, « Ah, pourquoi ce chant sans cesse ?» Mais lentement, sans le savoir. Yoga, yoga. C'est comme ça. On vous programme pour la libération. Beaucoup de gens et vous-même, vous vous programmez peut-être vers l'esclavage. Parce que tout un tas de gens sont toujours en train d'essayer de s'attacher à une chose ou l'autre, parce qu'ils pensent que c'est seulement en s'attachant à quelque chose ou à quelqu'un qu'ils se sentiront en sécurité. Si vous êtes un esclave qui prend de l'âge, c'est de l'esclavage. Non, c'est juste une blague. Mais tout attachement développé inconsciemment et qui existe inconsciemment en vous devient de l'esclavage. Eh bien, l'attachement est comme... Vous savez, un marin, il va jeter l'ancre quelque part afin que, là, au cas où il y ait une petite tempête, le bateau ne parte pas à la dérive quelque part, donc vous mettez une ancre, ce qui est très bien, si vous voulez être en sécurité quelque part. Mais vous êtes dans un fichu bateau parce que vous voulez naviguer. Donc si vous continuez de mettre 5, 10 ancres, de toute évidence, vous serez en sécurité, mais vous n'allez jamais naviguer. Donc vous devez vous décider. Vous voulez naviguer ou vous voulez être en sécurité? Alors, vous m'avez vu dans tout un tas de situations, tout un tas. Je ne sais pas qui pose cette question, comment sait-il tout ce que je traverse? Trop de choses, toutes sortes de bêtises, beaucoup de choses merveilleuses aussi, beaucoup de choses absolument merveilleuses, mais beaucoup de saleté aussi croise ma route.
Well, eh bien, what's his name? Comment s'appelle-t-il? That's his real name. C'est son vrai nom. Nishant. Nishant. Shashank. So no Shashank has been. Vous voyez, aucun Shashank n'a été très proche de moi pour voir toutes les bêtises qui m'arrivent. Enfin, si Shashank est bien informé parce qu'il a accès à quelqu'un proche de moi, ou parce qu'il le lit juste dans les médias, toutes ces bêtises, malheureusement, dans les médias, il ne parle que des bêtises. Toutes les choses merveilleuses qui m'arrivent, habituellement, il n'en parle pas. C'est leur karma. Donc, il m'arrive beaucoup de choses absolument merveilleuses tous les jours. Et si personne ne me jette rien, de toute façon, je suis assis, merveilleusement bien, où que je sois. Mais des saletés m'arrivent aussi. Eh bien, les saletés ne viennent pas simplement parce que quand vous n'avez rien à perdre et rien à gagner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez soit vous asseoir dans une grotte de montagne, simplement en extase, soit être actif de par le monde. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez être en partie actif, en partie reclus, ou 100% actif. Ça dépend. Quel est votre choix? Mon choix a été façonné par les besoins du monde, pas sur un coup de tête. Jusqu'à ce que je consacre le Dhyanalinga, je n'avais qu'une seule intention. Parce que je suis l'esclave de quelqu'un, je ne veux pas vous raconter toutes ces choses terribles qui ont été belles pour moi. Un homme qui ne veut même pas me toucher avec ses pieds, il me touche avec un bâton. J'ai servi cet homme pendant 3 vies. Donc, c'est une terrible histoire, mais avec des résultats fantastiques. Comme je cherche le résultat, que je donne de la valeur au résultat, je n'ai pas de rancœur pour le toucher avec un bâton. Beaucoup d'entre vous ont ces problèmes, c'est pour ça que je vous dis ça. Sadhguru n'a même pas regardé dans ma direction. Il ne regarde pas. Alors, comme mon activité, depuis Dhyanalinga, jusque-là, rien d'autre ne me préoccupait, juste une chose. Je pensais, c'est tout, et avec ça, je vais même partir. Parce que je n'avais pas créé d'intention dans mon mental concernant ce que je ferais au-delà de ça. Donc, des choses se sont effondrées, des choses sont arrivées, peu importe, c'est de l'histoire, maintenant vous la connaissez tous probablement. Quand le corps a commencé à s'effondrer très sérieusement, quand ma structure de base a été très sérieusement endommagée et est devenue presque comme... comment dire, un peu estropié. Alors, c'est devenu comme un challenge. Voyons si je peux m'en remettre. Et il y avait aussi des gens absolument merveilleux et dédiés autour de moi qui étaient prêts à donner leur vie si nécessaire. Alors, pour eux, et aussi pour le challenge, voir si on peut vraiment reconstruire le système, on a pris en main certaines choses et commencé à travailler, ce qui est un autre genre de karma. Eh bien, ceux d'entre vous qui m'ont vu depuis 99, c'est-à-dire 1999, parce qu'il y a tout un tas de milléniums qui ne savent pas qu'il y a eu un 20e siècle, vous savez. Donc si vous m'aviez vu en 1999, et aujourd'hui, vous me voyez, eh bien, en termes de bien-être physique, je suis à des années-lumière de ce que j'étais il y a 20 ans. En 20 ans, j'aurais dû décliner, mais en 10-20 ans, je suis bien mieux que ce que j'étais. C'est clairement visible à tous les niveaux. Alors, une fois qu'on avait réussi à reconstruire le système,
La question, ça a été, ok, qu'est-ce qu'on fait? Mon rêve de toujours, vous savez, de parcourir le monde. Pas la moindre préoccupation pour le monde, simplement le réservoir plein, la route, parti. C'était ça le rêve à cette époque. Peu importe si mon estomac était vide, le réservoir de la moto était plein. La route était libre, cette période de virus, cette période de confinement doit être vraiment bien pour prendre la route, presque toutes les routes ressemblent à un circuit. Mais je n'ai pas le droit de prendre la route alors. Donc, ce rêve, je me suis dit, est-ce que je le ravive? Mais tous les gens autour de moi, sans eux, je n'aurais pas eu l'intention de passer par cet énorme effort que ça m'a pris, presque trois ans et demi, pour reconstruire le système. Je n'aurais pas eu cette intention sans tous ces gens qui me regardaient plein d'espoir. S'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais pas eu l'intention de le reconstruire. Ensuite, je me suis naturellement retrouvé impliqué avec les gens, leur processus spirituel. Ensuite, quand vous allez enseigner le processus spirituel, vous voyez que les gens ont faim, quelqu'un est malade, il n'y a rien pour eux. Alors on s'est retrouvé impliqué dans le processus social, ensuite on a remarqué que même si quelqu'un est sur le point d'atteindre l'éveil, il n'y a même pas un arbre dans le village. Alors on a commencé à planter des arbres, à tel point que les gens me prennent pour un planteur d'arbres. Donc, tout ce karma. Mais qu'en pensez-vous? Regardez-moi et dites-moi, vous pensez que ce karma laisse des traces sur moi? Parfois, je n'ai peut-être pas bien dormi, j'ai peut-être l'air un peu... Mais est-ce que ça a l'air de laisser des traces sur moi? Parce que je veux que vous compreniez, vous tous, comprenez le bien, la façon la plus simple d'en finir avec ces gigantesques montagnes de karma que vous pouvez posséder, parce que si vous avez un stock de karma de la taille de l'Himalaya, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez une structure complexe. Mais si cette structure complexe vous torture, et vous utilisez votre torture pour torturer tous ceux qui vous entourent, alors c'est un désastre. Mais si vous utilisez cette complexité, parce que la complexité est nécessaire pour arriver à des solutions très significatives. Si vous n'avez pas de complexité, habituellement, on dit que vous êtes quelqu'un de simple en Angleterre. En Inde, on les appelle simplets. Les gens auront de la compassion pour vous, mais pas de passion pour vous. Oui, c'est une triste façon de vivre. Alors maintenant, si vous voulez en finir avec votre karma, la façon la plus simple, c'est vous vous asseyez ici. Absolument aucune passion pour celui-là. Une passion absolue pour tout le reste. C'est tout. Pour l'instant, le problème, c'est que les gens sont extrêmement passionnés pour leur vie, mais ils n'ont aucune passion pour le bien-être et la souffrance des autres et tout ce qui a lieu. C'est pour ça. C'est pour ça qu'en ce moment, le monde rend hommage aux médecins et aux infirmières qui risquent leur vie là-dehors pour travailler pour quelqu'un, parce qu'ils font preuve de passion pour d'autres vies et d'absence de passion pour eux-mêmes. C'est une façon sûre d'être libéré. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Vous devez inverser l'équation. Trop de passion pour vous-même, aucune passion pour les autres. Non, une passion absolue pour toute vie autour de vous, une absence totale de passion pour vous-même. Ne vous inquiétez pas pour toutes ces bêtises karmiques, c'est fini, vous êtes délivré de ces bêtises. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya
Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahāyā.